Bonjour à tous. Alors voici mes recos pour ce confinement. Tout d'abord le film que je viens de découvrir il n'y a pas longtemps sur Netflix. C'est un film turc, imprononçable. C'est ça. Voilà. Set Kogustaki Musis. Voilà. Alors ceux qui ne versent pas leurs petites larmes, franchement, c'est qu'ils font un confinement à la dure. C'est bon. Il y a des bons sentiments. Ça fait un peu telenovela parfois sur les jeux d'acteurs, mais ça fait du bien. Voilà, j'ai pleuré. Et donc c'est cool, j'aime bien pleurer sur les films. Sinon, programmation de France Télévisions en ce moment, je la trouve super. Beaucoup de vieux films, donc moi entre Papy fait de la résistance et Rocco et ses frères, je suis en kiff. Donc n'hésitez pas à regarder tous les vieux films français, beaucoup sur France Télé. Je trouve qu'il y a une bonne programmation. La série, j'ai découvert cette série espagnole Art de Madrid. Voilà, ça se passe sous l'époque de Franco et c'est sur la vie de Ava Gardner qui vivait à Madrid à cette époque-là. Donc c'est très intéressant parce que c'est sur l'émancipation de la femme espagnole de cette époque et les acteurs sont formidables. Alors il n'y a pas des rebondissements de ouf, genre allez, ces grosses séries, mais ça se regarde très très bien. J'ai beaucoup aimé. Et puis sinon, je viens de voir aussi Unorthodox, série israélienne, et l'actrice principale est juste démentielle. Donc voilà, je le recommande aussi. Et pour petits bouquins ou autres, je suis pas en train de lire de romans de littérature, mais c'est plutôt ça. Voilà, ce mec, je trouve qu'il fait un boulot extraordinaire, Hugo Clément, sur la prise de conscience de notre planète. Ce qu'on est en train de faire à notre nature, aux animaux. Donc, ça me parle beaucoup, surtout en ce moment. Voilà, dans cette période qui nous permet de réfléchir et de se poser des très, très bonnes questions sur ce qu'on est en train de faire. Voilà, et sinon, les poèmes. Les poèmes, les poèmes, toujours. Je suis tombé dans Alfred de Musset en ce moment. Donc, enivrez-vous de poèmes. Voilà. Et surtout, merci, merci à tous ceux qui continuent de travailler, à tous nos soignants. Courage à tous pour le confinement.